Bon, bah, je viens d'arriver au Groland, aéroport de Grosville. Et bah, je sais pas, dans les prospectus, on dit que les gens sont accueillants, mais lâches. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que le mieux, c'est de faire un tour. En tout cas, il n'y a pas grand monde dans l'aéroport. Pas très très souriant, lui, mais c'est un peu tôt pour dire. Ah, voilà quelqu'un de normal. Enfin. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez quel âge? Vous êtes direct, vous. Vous avez quel âge? Ben, 53 ans. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? 53 ans, c'est jeune. Jeune, oui, enfin, plus ou moins, quand même. Et, excusez-moi, je viens d'arriver au Groland. Ah. Je ne sais pas où dormir. Est-ce que vous auriez une idée? Viendez avec moi. Je vous emmène. Ah, ben, c'est gentil, ça. Ben, ça démarre pas mal, en fait. J'ai l'impression que j'ai fait une touche. Non, mais ils sont sympas, les Grolandais, en fait. Hein. On arrive chez vous, là? Oui, c'est là. C'est ici. Ah. Ah ben, pourquoi elle sonne, alors? Il va être content, Jean-Pierre. Oui. Qu'est-ce bon, que bah. Tu veux, la Pierrotte? Je t'apporte un cadeau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis de passage au Groland, et puis, ben, figurez-vous que je ne savais pas très bien où aller. Et madame m'a proposé de venir chez vous. Eh ben, c'est par là. J'entre. Ah oh ben c'est joli chez vous. Ça c'est la cuisine. Et je vais par où? Elle est où la chambre? Au fond à gauche. Fond à gauche. Ah. Oh ben c'est bizarre comme déco. Alors là je sens que je suis tombé sur des bons. Par contre il n'y a pas beaucoup de meubles là chez vous. Je crois que ça serait pas mal s'il y avait un lit. Hein. T'inquiète pas mon canard, avec ça tu vas dormir tout de suite. GHB, bonne nuit mon bébé. C'est jeune, ça. C'est jeune, ça. C'est jeune, ça. C'est jeune, ça. Et les smarties. C'est jeune, ça. C'est jeune. Elle a un ours. Oh, oui. Mais j'ai rien fait, moi. C'est ça. Bon, eh ben, je viens de me réveiller et bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je me sens bizarre. J'ai l'impression que d'un côté, j'ai plein de trucs dans mes images, puis de l'autre, je me souviens de rien. Je me sens, je sais pas, enrichi de quelque chose. Voilà. C'est bizarre. Puis un truc qui m'embête, c'est que j'ai perdu ma deuxième caméra. Je sais pas où elle est, ou je l'ai perdue, ou on me l'a volée, je n'en sais rien. Je vais prendre un aller simple pour Paris. Bon, c'est 300 000 euros. Hein. Ouais. Alors, je vous préviens, les caméras dans le cul, c'est rigoureusement interdit dans les trains. Hein.